Qui de nous deux pourrait manger un humain? Je suis Junior. Junior, non? Qui de nous deux pourrait ne pas se doucher pendant une semaine? En été, Junior ne s'est pas lavé pendant... Oh putain, là. Qui de nous deux pourrait manger son caca pour 100 000 $? Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, aujourd'hui, on va faire un nouveau concept qui s'appelle... Laisse-moi voir le nom. Qui de nous deux pourrait? Qui de nous deux pourrait? Donc là, je vais poser des questions et chacun, on doit répondre qui de nous deux, on pense, pourrait faire la chose, tu vois? Okay. Donc là, j'ai quelques questions là et on doit aussi expliquer pourquoi on pense que c'est l'autre qui pourrait faire ça, pourquoi on pense que c'est nous qui pourrions faire toi, ça et tout. Donc, t'as pas ton nom? Ouais, malheureusement, j'ai pas. Je suis bête, frère. J'ai amené un papier où il y avait Bijou et Junior derrière. Je n'ai pas amené un où il y a Bijou et Junior derrière aussi, tu vois? Donc là, quand c'est moi, je vais dire Junior, moi-même. Quand c'est Bijou. Je crois que c'était la police encore. C'est la police, en fait, c'est furtif. C'est la police? Ouais. Parce que les gars, on était stationnés tout à l'heure de l'autre côté. Il y avait la police qui était juste devant nous. Genre, ils sont passés à côté de nous là et ils nous ont regardé comme ça. Arrêtés. Ils sont arrêtés, ils nous ont regardé comme ça. Et moi, j'étais comme, frère, au moins on a la cam, on va leur dire, on veut faire une vidéo. On fait rien de mauvais. On n'est pas méchant. Et là, maintenant, je me suis dit, oh non, on ne prend pas de risque. Juste, on se casse, on change d'endroit, on se stationne mieux. Parce qu'on était stationnés, genre, au milieu de la route, là, sur une rue, là. Mais la rue, il n'y a pas de voiture là-bas, sur la rue là-bas. Genre, elle est calme, il n'y a rien là-bas. Donc là, on a changé, on est venu stationner dans un endroit un peu plus normal, quoi. Là, on voit encore la police qui passe, là. Bref. Ah, qui de nous trois pourrait s'abonner à la chaîne? Toi, s'il te plaît, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et partage aussi. À vous c'était une belle. Allons. C'est une danse. Première question est qui de nous deux pourrait faire 4 jours sans dormir? Moi-même, les gars, moi... What? Dans la dort 3 heures par nuit. Je veux pas vous mentir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu 8 heures de sommeil comme Bijou. Genre, dormir 8 heures et mieux. Comment ça se sent de dormir 8 heures? Quand tu te réveilles de 8 heures de sommeil, comment tu te sens? Non. Parce que moi... En fait, des fois, je sais pas. Ça dépend, genre. Donc tu dors 8 heures et t'es quand même fatigué? Ouais. Comment? Mais dans la journée après, tu n'es pas fatigué. Ok, moi dans la journée après, je suis fatigué. Exactement, c'est sûr. Des fois, je me réveille, je suis énergétique. C'est ça. J'ai même plus d'énergie que Bijou, mais au cours de la journée, je suis fatigué. C'est et des fois, je m'endors comme ça. Je m'endors. À l'ordi, comme... Ouais, à l'ordi. Je suis comme ça à l'ordinateur et je suis comme ça. Je suis en train de taffer à l'ordinateur, je suis comme ça. À l'ordi, là. Donc, c'est ça. C'est sûr. Qui de nous deux pourrait devenir végétarien? Si on pense qu'il n'y a personne, on met personne et on dit pourquoi. Mais. Personne, parce que. On personne, ouais, personne. Personne. Mais, hors vidéo, je pense que c'est Trésor qui pourrait. Non. Ça. Non, hein. Elle avait dit qu'elle voulait être végétarienne, là, et. Ouais, ton végétarien a duré 2 jours là. Le cap, non, personne. Parce que j'en aime trop la. On aime la le poulet, bro. Ouais, c'est ça. On aime trop le poulet. Notre mère fait le poulet, on mange. Poulet, mouton et tout. On aime trop la viande. Végétarien, je pense. Désolé, ça. Les végétariens, mais. Ouais. Pour le moment, je pense qu'il n'y a personne. Ça donne des protéines, ouais. Mais désolé, mais c'est trop bon, genre. Ouais. Pour le moment, il n'y a personne qui pourrait devenir végétarien. Peut-être à l'avenir, il y a un qui va dire, oh, moi, je. De... Mais ça m'étonnerait, non. Non, le poulet, bro. Trop la viande. C'est ça. Qui de nous deux pourrait sortir dehors tout nu? Peut-être pas dehors de la maison, mais disons, tu vois, à l'arrière là, cours arrière là, il sort comme ça tout nu. Yeah. Et là, il rentre dans la maison, genre. Toi? Moi? T'es déjà sorti un caleçon, genre. Ok, c'est un caleçon, c'est normal. Ok, mais tout nu. Tout nu? Personne. Non, je pense que c'est pas toi. Impossible. En vrai, je pense que je pourrais le faire. Mais je pense que je l'ai déjà fait. Ok, tu étais petit. Maman voulait me laver là-bas. Ok, là, on parle de maintenant, on parle pas de avant. Non, mais moi, je avant tout. Pas le faire. Non, hein. Quelqu'un prend une photo de toi de loin là. Tout le monde a une photo qui zoom à 50 km là. Prends une photo, non. Moi je pense que personne pourrait le faire. Peut-être toi, alors ouais, si tu vois un truc psychologique, c'est bon pour la santé. De quoi tu parles? Ben, non. C'est bon pour la santé, c'est dehors tout nu. Qui de nous deux pourrait pleurer devant un film ou une série? Toi, tu peux pas. Moi je pense que je peux pas. Moi. Moi ça dépend du film. Il y a un film où j'ai failli pleurer, je te dis. Lequel? Comment tu pleures devant un film? C'est un court métrage. Ça parlait de quoi? Ça parlait genre d'une famille, ok? Uh-huh. Ouais, je vais faire un résumé. Alors, c'est une famille, un homme et une on femme. On t'a pas demandé. Non, je regarde pas, tiens. Un homme et une femme qui ont commencé à avoir des enfants. Un enfant. Maintenant, genre, ils commencent à vivre, ils ont acheté une nouvelle maison. Ils ont commencé à apprendre le foot. Genre, comme. C'était une vie parfaite. Maintenant, jusqu'au jour où elle va à l'école. Et là, à l'école... Oh, c'est de quoi tu parles, je pense. Il y a eu une fusillade. Oh, c'est... La fille est morte. On l'a vu en cours d'anglais. Là, les parents étaient tristes. Et là, j'ai failli pleurer, beau. Est-ce que ça s'appelait... Attends, c'était en noir et blanc, c'est vrai. Ouais, c'est un dessin animé. Ouais, on l'a vu en cours d'anglais. Ça, on nous a montré. Ou aussi, il y a un autre... Attends,
Ça t'a failli pleurer? Ouais, ouais, mais en plus, l'histoire n'était pas forcément compréhensible. Hein. Non, c'est, je, moi, je, au début, j'ai regardé trois fois le film, je t'ai dit. J'ai regardé trois fois le film. C'est 12 minutes, je pense. Parce que. Ah oh, non. S'il y en a qui ont le nom, écrivez dans les commentaires. J'ai oublié le nom. Ça m'a fait. T'as failli pleurer? Je te dis, beau. Imagine, t'as ton enfant, t'as tout. Ils sont réveillés. Un homme vient. Non. Oh, moi, j'ai fait pleurer, beau. Oh non. T'étais comment? T'étais comme. Mais en tout cas, sinon, comme les films amour romantique, non, moi je suis pas dans ça. Oh, non. Sinon, ça, je pleure pas, c'est sûr. Alors, ça dépend vraiment des films. Ça m'a presque fait pleurer. Sinon, le reste, je pense pas. Bah, moi, si ça dépendrait des films. Il y a un que j'ai failli pleurer, non? Je regardais, c'est comme ça. Non! Tu te rappelles pas? Et après, t'es comme, tu pleures pour un film. Lequel? J'ai oublié, mais moi, je sais pas. Mais si tu pleurais pour de faux. Parce que tu disais que tu pouvais pleurer sur mesure. Mais je sais que tu pleurais pour de faux parce que le film était pas. Je pense que le film était action. Attends, oh, je l'ai oublié. Quand quelqu'un est mort, ok. Ouais, quelqu'un était mort, je me rappelle. On My Block? Non, c'était pas ça. Mais bref, les gars. Alors, je sais que c'est une série sur Netflix. Ouais, c'était sur Netflix, mais bref, on va passer directement avec la prochaine question qui est de suite. Qui de nous deux pourrait frapper l'autre parce qu'il a faim? Il a faim, genre, t'as pas mangé pendant toute la journée, l'autre t'énerve un peu, t'as faim. Qui pourrait frapper l'autre? Ouais, Bijou, je pense que c'est Bijou. J'allais dire moi, mais non, moi je peux rester longtemps sans manger. C'est Bijou. Si, parce que moi, j'ai faim, je suis venu. Déjà, je passe une mauvaise journée, j'ai envie de me parler, je dis, comme je suis déjà énervé. Imagine, tu manges pas toute la journée. Non, je pense que je vais le frapper, beau. Comme s'il veut dire, Bijou, arrête. Il a faim. Je serais trop énervé, genre. Ouais, donc effectivement, c'est Bijou. Qui de nous deux pourrait manger un humain? Ça, attends. Jamais de la vie. Attends. Je suis là. T'as mis Junior, bro. Yo, la police est pas là, hein. T'as mis Junior? Tu t'es dit aux personnes? Non. Il a dit Junior, non? Rien. Il va me mordre, je savais. Arrête. Je savais. Pas Junior, bro. Junior me mord tellement de fois, bro. Je vais manger un hyper, bro. Non. Je le mords parce que, genre, j'aime ça mordre. Il me dit c'est Junior, bro. Je vais les dire. Jamais de la vie. Aucun nom de. Ils sont Junior, bro. What? J'ai vu un truc sur TikTok la dernière fois qui dit que on a tous peut-être déjà fait une fois. Je sais. Les restaurants où on va là. Qui te dit pas, t'es allé dans un restaurant. Allez, je veux dire. Le doigt de quelqu'un. Et le doigt de quelqu'un. Imaginez. Les pizzas. Parce que, ouais, c'est ça. La viande. Tu manges une viande là. Et là, maintenant, t'es comme. La viande, elle est bonne, hein. McDo, KFC, tous ces trucs là. Tu manges la viande, tu dis, elle est bonne, hein. Mais tu sais pas, c'est quelle viande pour de vrai. Oh. Non, ça m'a fait peur quand j'ai vu ces TikTok là. J'essaie de le retrouver. Mais bon. Non. On va. Dans les boucheries, quand ils vendent de la viande, genre déjà emballée. Ah, des trucs. Wow. Ils disent c'est du bœuf, mais c'est pas vraiment du bœuf. Et là, tu le manges chez toi. Ce bœuf-là, il est bon, hein. Yo, ça. Non, ça fiche à trouille, ça. Rien. Mais bon, c'est aucun de nous deux, non. Aucun de nous deux. Qui de nous deux pourrait ne pas se doucher pendant une semaine? Liu. Là, on a la réponse. C'est Big Junior. Ah ouais, putain, ok. Junior. Il a dit Junior, beau. Tiens, attends. T'as dit qui, beau? T'as dit qui? T'as dit Junior? J'espère que l'explication est bonne. Si elle est pas bonne, beau. T'as dit Junior? Je vais t'expliquer. J'ai pas compris. Lâche-moi. Les gars, en été, Junior ne s'est pas lavé pendant deux semaines. Oh putain, là. T'as dit quoi? Lâche! Déjà, c'est pas une semaine, c'est deux jours. En été. Ne pas se laver pendant deux semaines, ce n'est pas bon. Hey, les gars, l'expression est que. Je suis pas sorti de chez moi tout pendant les. Ok, c'est pas une semaine. Je pense que c'est cinq jours. C'est deux semaines, Junior. Je suis pas sorti de chez moi pendant cinq jours. Tout ce que je faisais, c'était vidéo, live. J'étais sur Twitch. Je faisais des lives Twitch. Twitch, vidéo, éditer vidéo, poster. C'est tout ce que je faisais pendant 5 jours d'affilée. Donc, j'ai pas sorti dehors. Pendant l'école. Ça, c'est pendant. Pendant l'été. Pendant l'été. Donc, j'étais chez moi H24. Donc, tout ce que je faisais, c'est téléphone, caméra, ordi. C'est tout ce que je faisais, tu vois. Donc, il y en a, par contre, qui ne se lavent pas parce qu'ils ne peuvent pas se laver. Et ils sortent dehors comme ça. Et ils sont saletés comme ça. What? Il y a une raison. Moi, je me lave. Bijou, il ne s'est pas lavé.
Son record, je pensais, 2 jours. Voilà, je t'ai eu. On était en été. 2 jours. Toi, c'est 5 jours. Prochaine question. Toi qui regardes la vidéo, je sais que t'as déjà fait 2 jours sans te laver. Je m'en fous. 2 jours, c'est clean, bro. C'est clean. Bon, en plus, j'ai vu une étude qui disait que c'est pas bon de trop se laver. Ton corps doit avoir un peu de trucs. Comme du mais non, moi, je me lave tous les jours. Bon, moi, on est. Cap. Je sais que t'as déjà fait 3 jours sans te laver, toi. Je le sais. Moi, je pense que le maximum c'est 3 jours. Non. Ah, c'était une journée, je ne suis pas lavé le soir. Au moins le lendemain. Au moins c'est pas. Au moins je sors ouais, pas dehors. Ouais, 2 jours ou 3. Au moins, moi j'assume. Au moins moi je sors pas dehors. Il y en a qui le font, ils sortent dehors. Qui de nous deux pourrait faire semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école? What? Ouais, ça c'est bijou. Moi j'assume. Ça c'est bijou. Moi j'assume. Tu les as fait ou pas? Oui, plein de fois. What? Est-ce que. Parce que je sais, il y a récemment tu disais genre j'ai mal, j'ai pas envie d'aller à l'école demain. Je savais. Le gars fait ça. Le gars sort son jeu d'acteur là. Il dit, attends, j'ai envie de manquer la première période, je me sens pas bien. Non, maman m'a dit, va dormir, bon, tu vas à l'école demain. Ah, peut-être. Est-ce que t'as déjà été absent de ta vie même? Jamais. Les gars, j'ai jamais été absent de l'école. Ça c'est fou. Je pense que j'envoie une médaille là. À part voyage, ça c'était justifié parce qu'on était en voyage au Bénin. L'école t'as le savait. J'ai jamais manqué l'école. Jamais. Au secondaire, jamais. J'ai pas manqué un seul jour. Qui de nous deux pourrait amener une copine à la maison? Moi? Ça c'est bijou. What? Ça c'est bijou. What? Ok, et quand est-ce que tu comptes le faire? What? Me? Merci. Quand est-ce que tu comptes le faire? Pas bientôt. Pas bientôt, quand est-ce que, selon toi? Pas bientôt. Pas d'ici tôt. Si j'ai une copine, je pense, j'attends pas une rencontre quick, maman fait du riz, une bonne rencontre là. Mais genre, tu vas la connaître pendant combien de temps avant de la ramener à la maison, genre? 3 ans, 2 ans, genre. 3 ans? Tu mens, toi? What? 2 semaines à venir chez moi, chez moi? Non, genre, hey, disons... Moi, je m'attends, ça va. What? 2 ans, 3 ans, bon. Ah non, ok. Toi, t'attends longtemps, en fait. Toi, c'est long terme, en fait. Ok. Et moi, je pense pas. Relationship in long term. Not a little bit term, yeah. Qui de nous deux pourrait se marier en premier? Ça, c'est loin, bro. Moi, je suis loin de toi. Donc, si on y va avec l'âge, on pourrait dire moi, mais... Je pense que c'est... C'est pas moi, bro. Toi, t'auras beaucoup d'argent, so. Toi, tu pourrais vite faire. Parce que, yo, tu sais qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut genre... En moyenne, $50,000 pour un mariage. Ouh, ça c'est beaucoup. Ça c'est pas rien. Hein. Et pour un petit mariage là, si tu veux un mariage grandiose, ouais. $100,000 et plus. Ah ouais, comment tu sais ça? Tu fais des recherches là? Oh, c'est cool, mais. Je sais pas, ça reste à voir. Hein. On sait pas. Continue. On sait pas. Qui de nous deux pourrait gifler son père pour $100,000? Tout le monde. We ah, papa. Money. Papa, c'est pour la cause. On va te la vidéo, on hein. Te gifle. Ah, on te gifle, c'est ça. Te donner de l'argent comme ça. C'est pour la cause. C'est pour la cause. On gifle. Je vais pas dire maman, mais genre. Oui, désolé. Même si c'est maman. Même si c'est maman. Tiens, lui, il est l'autre des belles, hein. En vrai, je lui donne l'argent. Ben, c'est ça, c'est pour la cause. C'est pour la cause, c'est genre. Comment tu me donnes 10 000 dollars pour la gifle. Après, je te donne 100 000, 10 000, 20 000. C'est ça, on a tous de l'argent. C'est ça, c'est logique. Mais, toi, les compétitions de gifle là, ils sont comme ça là. Ouais, c'est tout comme ça. Mais tout à fort ici. Comme on le redonne après. Ok. C'est ça. Donc c'est pour la cause en fait. C'est pour la cause. C'est ça, c'est pas genre gifler pour rien. Genre gifle pour 0$. Non, c'est pour 100 000 et tu lui donnes aussi de l'argent. C'est pour la cause. Donc. Ouais, c'est, ça. Ouais, c'est logique. Tout le monde le ferait. Tout le monde l'aurait fait. Ouais. Même, je pense qu'il aurait accepté. Ouais, c'est ça. Vas-y, ouais, c'est ça. La dernière question, et pour la bonne, est qui de nous deux pourrait manger son caca pour $100,000? Ah non, pas pour 100 000, pour $1,000,000, ah, bijou. Okay. Qui de nous deux pourrait manger son caca pour $1,000,000? Like, abonnez-vous. Ça, genre, t'as pas répondu, t'as juste fait ça. C'est quoi la... C'est eux qui doivent deviner? Ouais, ils doivent deviner. Ok. Il a fait ça en tout cas. Et toi? Moi? Like, abonne-toi. Fais une nouvelle vidéo. Répondez dans les commentaires vous aussi. Qu'est-ce que vous ferez? On n'a pas répondu, hein? On n'a pas répondu. Pour $1,000,000, est-ce que tu manges ton propre caca? Dans les commentaires.